Ah, du loup. Du loup, la peau de loup. On avait dit que la peau de loup pouvait être intéressante pour échanger contre un mister. Et bonjour YouTube, on est reparti pour notre aventure sur SafeTech. Et aujourd'hui vient l'heure de l'exploration. Alors on a déjà exploré dans les épisodes. Et pour y aller du coup, on a pris cette route. J'ai fait une route en bouse toute droite pour aller découvrir les différents biomes qu'on aurait pu croiser sur le chemin. Alors, vous savez quoi? En lisant un petit peu mieux les missions, je vois qu'il y a ça. Une sorte de cerf-volant, une sorte de voile sur la, avec laquelle on va pouvoir passer d'île en île. Ça aurait été pratique. Ça aurait été pratique. Sinon, nous avons ceci comme mission. Bah oui! Buter une shadow créature! Alors, pareil, je sais pas si vous vous souvenez, mais la shadow créature, c'était ça. Waouh! Autre chose à faire, ces deux quêtes-là nous disent d'aller trade avec des villageois pour pouvoir acheter de la farmland. Alors, la farmland, qu'est-ce que c'est? C'est pour planter. Vous savez quand vous faites clic droit avec une houe? Tu peux planter des graines dedans dans la terre. Et bah là, tu peux pas le faire. Là, il faut acheter la terre fertile. On en est là. Et bien sûr, un atlas pour découvrir les biomes qui sont autour de nous. Tout un programme. On va essayer de faire le kite. Voyons voir comment on fait ça. Donc, c'est 3 nénuphars, des plantes pouillines faciles à faire et des sticks faciles à faire. Allons voir ça. Oui, j'en vois plein des nénuphars. 2. En plus, c'était vraiment un craft facile à faire, quoi. Si j'avais su. Tac, tac. Tac, tac, le caillou du craft. Et nous avons notre cerf-volant. Alors, comment ça marche? Ah, j'ai l'impression que je l'ai sur moi. Saute dans le vide, tu verras bien. Alors, déjà, on va vider. Oui, ça c'est un truc que je vous ai pas montré d'ailleurs la dernière fois. C'est que j'ai fait des sortes de coffres verticaux. Et donc, on peut y ranger d'équipement dedans. Et en vrai, c'est pas mal. Et surtout, je vais tout vider avant de prendre l'air. Histoire de pas perdre tout le stuff. Voilà, on va pouvoir y aller. Alors, l'île la plus proche, ça serait là-bas. Alors, essaye. YOLO. Je vole. Ah, ça fait monter. Ça fait monter quand on est sur le vide. Trop bien. Comment on descend? Comment on se dirige? Comment on se dirige? Et si je fais shift? Wow. D'accord. Bon. Wow. On est où là? Aïe. Qu'est-ce que tu veux toi? C'est un droïde. Ah, il m'a vraiment fait peur le con. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air gros toi. Il est là lui aussi. Vite. Wouhou. Oh, cette escape. Alors, où quelle est la maison? Ah, j'ai un plan. Ah merde, je suis con. Ok, j'ai remis le delta plan. J'ai ma boussole qui indique encore les Darklands. Donc théoriquement, si je me dirige vers les Darklands, je devrais retrouver ma plateforme que j'avais fait qui m'y amenait. Donc, en théorie, retrouver le chemin dans la maison. Ah là, là, regardez. Voilà, elle est là, la maison. Eh, ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal du tout. Et non. Ah, quelle défaite. Ok, des os. Et on se pose. Allez, oh oui. Aïe. Qu'est-ce que je me suis pris? Yo. Ah, salut. Attends, laisse-moi prendre mon arme. Attention, combat épique. C'était épique. Vous savez ce qui serait pas con à faire? C'est que je me laisse tuer sur mon île, comme ça j'aurai un compas qui amène directement sur l'île. Ça serait pas mal. C'est moi ou les pollués, l'eau là? Qui a chié dans l'eau? Ou alors c'est peut-être juste l'ombre de l'arbre. Peut-être juste l'ombre de l'arbre. Oh, un carré des zombies! J'ai un point de spawn chez moi. J'ai une boussole qui ramène à chez moi. On a compris à peu près comment marche le delta plane. On est pas mal. Hop. Ah non, les trompettes m'ont suivi.
Les trompettes résonnent des profondeurs. Ils arrivent. Dans les trucs qu'il y avait à faire, on va pouvoir partir vers les villages pour aller trouver l'Atlas et le Farmland. Allons-y. Oui. Bien, c'est ici qu'on voulait aller voir. Bonjour. Waouh. Alors, baston sur la glace, là. Disney on Ice, vous connaissez? Mais est-ce qu'il restera seulement des villageois? Parce qu'avec les zombies et tout, là, mais ça se trouve, il n'y a plus personne là-dedans. Ça se trouve, c'est devenu un village fantôme. Ah non, c'est vide, hein. C'est complètement vide. Waouh. Alors, quelque chose me dit qu'il en reste pas beaucoup des villageois là-bas. Comme une intuition... que... voilà quoi. Allez, on y va. Ok, let's go. Wouhou. Non, parce qu'on est d'accord qu'il reste plus aucun vrai villageois là-dedans. Ils sont tous fait grailler. Bon, est-ce que le jour s'est pas levé, qu'est-ce que je pourrais pas aller jeter un coup d'œil? Il y a l'air d'avoir un petit peu moins. Allez, on y va. Ah, il y a une Shadow Beast. Il y a un Shadow Monster. Alors, il y avait une mission qui consistait à tuer des Shadow Monsters. Aïe, là. C'est de la merde, c'est de la merde. Oh, j'ai un PV, j'ai un PV. Ah, vas-y, on se refait un delta plane et on y retourne. Oup. Ouh, ah. C'est pas passé loin quand même. C'est quand même close, hein. Alors faites des bruits chelous quand même dans le coin. Bon, ça a l'air plutôt calme. Alors par contre, il n'y a plus de villageois non plus, quoi. Là, ça spawn une fois et y a rien. Donc on va partir dans cette direction, essayer de te trouver de nouveaux villages. Pour essayer de discuter avec des paysans. Ah, y a une maison là. Ça serait pas un village, ça? Si, ça a l'air, hein. On se freine, on se freine, on se freine, on se freine. Plap là. Bonjour, messieurs. Ah. Comment vous allez? Alors toi, tu me donnerais l'antique atlas et tu te ferais des ink sacs et des plumes. Ok, ça pourrait être jouable. J'ai pas l'impression qu'il y ait de fermier en fait, parce qu'il n'y a pas de ferme. Toi, tu es armurier. D'accord. Oh, des armures. Ok, il y a la moitié des trucs qui m'intéressent. Je vais partir d'ici très vite avant que ça fasse respawner des méchants. On y croit, on y croit, on y croit plus, on y croit plus. Cancel, cancel, cancel. Nous atterrirons bientôt à l'île Timecut. Île Timecut, 5 minutes d'arrêt. Alors on a dit, déjà on dit bonjour au creeper. Bonjour. Alors si tu veux péter, c'est dans l'eau. Les gaz, c'est dans l'eau uniquement. Mais tu calme. Regardez, regardez, regardez. Non. Désolé cheval. Ah, du loup. Du loup, la peau de loup. On avait dit que la peau de loup pouvait être intéressante pour échanger contre un mister. Alors ça, c'est quand même vachement utile. Le paravent là, vachement pratique. Pas sur le creeper, pas sur le creeper, pas sur le creeper. Quoi? Mais qui vous a permis d'exploser là-bas? J'ai la trompette! J'ai la trompette! Oui! Bon! Alors, aller tuer une créature des ondes, ça me paraît être un défi quand même assez vénère. Sinon, on peut faire ça pour récolter de l'eau. Le bladder, le fluide bladder. Une vessie! Bien, voyons voir. Ça, c'est deux colorants marron, des plantes twine et un ink bag. Les colorants marron, pour les avoir, je crois qu'en utilisant ces trucs, il faut les grinder. Et pour ça, il nous faut une grindstone. Donc on a dit un stick en haut et 6 de stone en bas. Let's go. Le cœur du craft. Oula. J'ai peut-être tapé un petit peu trop fort sur ma table de craft, moi. Donc nous avons la grindstone. Ta-da-da-da. Donc on met ces machins. Mais c'est lent. Bien, nous avons pas mal de colorants marron. Bien, nous faisons ça pour faire une vessie, une bladder. Et nous avons une gourde. Ta-da-da. Et qui est une sorte de seau. Et qui sert à je sais pas quoi. Ça prend de l'eau, mais ça ne la rend pas.
Ah, il faut mettre dans un barrel, un seau. A Pramalcore Wooden Barrel to hold liquids. Donc c'est des planches tout autour avec un slab au milieu. C'est parti. C'est super pratique l'effet de... cet effet de ça va bientôt se péter là. C'est bien pour voir où est-ce que tu mets les choses. Oh, le bruit m'a fait peur. Nous avons un barrel. Viens, on le met là. Dans ce barrel, on y vide notre vessie. Bien. On a de l'eau dedans. Je sais pas encore très bien à quoi ça va servir. On peut la prendre, on peut l'enlever. Ok. Alors oui, comparé à Minecraft, ici, l'eau est finie. C'est-à-dire que dans Minecraft normal, l'eau est un peu infinie. Hein. Tu fais un truc de 4x4 de flotte et t'es tranquille. Là, non. Là, il n'y a pas de source d'eau infinie. Ça n'existe pas. Là, je suis littéralement en train de vider ce lac. Vraiment, SafeTech? Le slogan de TefTech, c'est vraiment le plaisir de se faire chier. Hein. Alors là, je suis en train de remplir mon truc, je ne sais absolument pas à quoi ça servira. Hein. Soyons clairs. Comment est-ce qu'on peut améliorer? Trouver du cuir. Allez, on n'a toujours pas trouvé de cuir normal. Pourtant, j'ai tué tous les moutons. Hein. Ah, mais attends. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors au moins, il y a plein de manières d'avoir de la peau. Donc tu prends la peau de n'importe quel animal, tu vas la racler avec le Flintwork Blade, bam, peau de mouton into la Flintwork Lacle, blam, nous avons de la peau crue, de la raw hide. Ben ensuite, faut la saler. Faut utiliser la vessie pleine et du sel. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on trouve le sel. En regardant un peu par terre, il doit y avoir pas mal de sel dans mes larmes. Attends, ça serait pas du sel ça? Ah voilà! Pas la peine d'aller à l'autre bout du monde! Il est là le sel! Il fallait ça, voilà! Et on va pouvoir saler notre truc. Oh c'est si long! Tac, donc c'était du sel et c'était les peaux comme ça. Ah peut-être qu'il va y avoir une utilité enfin à table de craft chiante. Parce que du coup ça laisse les trucs dessus. Est-ce qu'enfin cette table de craft aura une certaine utilité? Ah mais non, mais je peux en mettre qu'un à la fois. Ah mais attendez, je crois que j'avais vu quelque chose. Je crois que j'avais vu qu'on peut la monter en MK2. Crafting Stump MK2. On peut l'upgrade. Et comment l'upgrade? Avec n'importe quel bout de bois, deux shopping blocks et un shelf. Oh, ça devrait être facile. Vas-y, faisons ça. L'étagère en haut. Je crois que c'était ça. On va le tenter. C'était pas ça. Ah, j'ai pas le bon bois. C'est soit l'eucalyptus, c'est soit du Dark Oak, soit du Sakura. Ah non. Bon bah, on va reprendre la voile et se balader. Bah ça a l'air d'être du Dark Oak là en face. Allez, on tente. Voyons voir. Waouh. Eh purée, les dégâts de chute, ils ont cassé les feuilles. Ici, nous avons trouvé du Dark Oak. Let's go. Quel génie. Et retour maison. Let's go. Faut espérer qu'il y a un petit courant. Y'a pas de courant, y'a pas de courant. Non. Eh mais attends. Bah voilà. On remonte par là. Ah bah y'a le poisson suicidaire de l'épisode 1 là. Non. Enfoiré. Vengeance. Ça m'a toujours fasciné dans Minecraft les mecs qui remontent les chutes d'eau. Enfin j'imagine vraiment t'es un nageur olympique dans ta chute d'eau en mode. On y est, on a le Darkwood. Le Dark Oak, vous m'avez sous-estimé. Mais je l'ai fait. Yeah. Et nous avons le truc de craft MK2. Oh mais il y a un petit lit pour le caillou du craft. Ils ont fait un mini lit pour bloquer le caillou du craft. Oh c'est trop mignon. Donc nous disions donc maintenant on peut y mettre plusieurs éléments. Ah là on discute. Là, on discute. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire des allers-retours avec ça. Avec du craft. Et on voit ça. Merci. On récupère ça. On la remplit là. On la pose là. On prend le caillou du craft. C'est pas chiant. Je vous jure, c'est pas chiant. Et est-ce que, par plus grand des hasards, il y aurait moyen de déplacer ceci? Oh oui! Oh, ça par contre c'est bien ça. Ça par contre c'est bien. Là vous avez fait une bonne chose les gens.
fais shift-clic droit, tu récupères ton seau d'eau, là. Ensuite, ça c'est bien, ça. Tu poses ton seau d'eau plein. Là, j'avoue, il y a un truc. Donc maintenant, nous avons du cuir juste salé. Maintenant, il va falloir le faire sécher. Hop, voilà. Et là, il faut du coup des drying racks. Et c'est des slabs. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Pas mal. On peut commencer à crafter des trucs de manière un peu plus intelligente qu'avant. C'est... J'aime bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, nous avons 4 trucs pour faire sécher notre cuir. Ah, on commence à être un peu plus efficace. 2, 3, 4. Voilà. On a 9. Nickel. Là, c'est 2 minutes de séchage. Eh ben, dis donc, c'est long, hein. En vrai, ça commence vraiment à beaucoup s'améliorer, cette histoire. On a fait le deltaplane, on a le début du cuir, on a le barrique d'eau. Non, moi, je dis petit à petit, hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le caillou fait son nid. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Tchuss.